Nous sommes la maison en quatre musiques. Nous produisons des artistes. On s'est déjà intéressé à l'artiste qui est mon candidat depuis fort longtemps, vu à son talent, vu à son dévouement, vu aussi à son comportement vis-à-vis des autres. Je ne vais pas envier, hein, mais vis-à-vis des autres artistes, et parce que c'est un petit bien bon comportement. La maison Events Loisirs doit produire qui est mon candidat le 2 mars au Palais du Peuple. Et après le Palais du Peuple, on a jugé nécessaire de faire un jeu aussi à Farana. À Farana, ça serait le 9. Que Dieu nous a créés par amour. Et qui contient l'amour, je sais très bien que si tu impliques des formes dedans, ça va apporter du fruit. Et si le choix était fait comme ça, princesse, c'est très excellent pour nous. Raison pour laquelle on a décidé de mettre dans le nom princesse. Mais le titre de l'album, c'est 14. Je remercie Dieu de tout puissant. Je rends hommage à mon papa, qui a fait la cantine de 65 ans, grâce à qui moi j'ai chanté. Parce que j'étais footballeur, je n'étais pas du tout dans la musique, et il ne m'a pas forcé à chanter. Il m'a juste dit, si tu joues au football, certes, tu vas avoir beaucoup d'argent, mais tu ne vas pas ressortir notre origine. Il m'a dit, fais ce que tu veux faire. C'est moi qui ai compris moi-même. Aujourd'hui, je me dis, ouais, ce qu'il m'a dit, c'est ça qui était la réalité. Donc, je rends hommage à mon papa. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Amen. Et je remercie beaucoup ma maman, Oda Kamara, qui est aujourd'hui là, qui fait deux rôles de père et de mère. Je remercie beaucoup pour tout ce qu'elle fait pour moi. Et je remercie également la maison Jack Music qui est aujourd'hui changée à Events Loisirs. On va s'appeler Princesse, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est le morceau phare, d'accord? Sinon, quand on a sorti Batea, on a vu que ça commençait à prendre des gens sur TikTok. Le manager avait dit de changer par Mathéa, j'ai dit non. Il faut pas oublier que Princesse a fait son truc, quoi. Donc il faut revenir à la source. C'est le morceau phare, Princesse. Je suis griot, voilà, tonton l'a dit tout de suite là. Et mais, vous savez, aujourd'hui, la musique est devenue une question de moderne. Il faut ajouter un truc moderne là-dessus pour que les gens prennent, quoi. D'accord? C'est pour cela qu'on a décidé de faire un album afro-mandé, sans oublier notre origine, qui est la source. Quand moi je compose une chanson, j'ai toujours ma guitare acoustique qui est là, qui va représenter la musique mandingue. D'accord? Tous les autres musiques modernes, ça c'est des façons avec les ingénieurs pour améliorer, pour que ça tombe bien dans les différentes boîtes. Parce que quand vous partez dans les boîtes, tout le monde le sait, quand c'est la musique mandingue, on ne danse pas. Il y a l'amour qui est le principal, et il y a les conseils là-dedans, tels qu'il y a des morceaux qui vont venir après Batea, il y a des conseils là-dedans, mais la majeure partie, ça parle d'amour, parce que tout seul, c'est l'amour. Plutôt qualité, voilà, chez lui, on a fait danser à Paris, Princesse, chez lui. Après, moi j'ai dit pourquoi pas ne pas changer d'ingénieur parce qu'il ne faut pas qu'on travaille avec une seule personne. Il faut qu'on fasse le métissage. Et le prochain morceau au Baraka, qui est purement mandingue, on a fait ça avec Ahmed Fofana. D'accord? Et après lui aussi, on est allé voir le tonton Koudou Atanas, qui a aussi fait travailler sur notre album. Et je pense que c'est les trois qui ont travaillé sur la montage, je pense. Je voudrais juste témoigner de la qualité de mon fils. Pour dire que je le dis et j'aime le dire souvent. Et je vais le dire en confiance souvent. Pour ne pas déformer la date. Oui, 5 ans. La Abouhima. Pour un prix. Abouhima. À Sabati. A fui rapa, bide a do, a wasa. Bagit mi keba, a fali ma keba, bide a do, a wasa. Nambuli, nane siete, iye sa wuma, a sabati ma reyi.
Et où est-ce à Ouma à Sabati Mané? On a est à Ouma à Sabati Mané, et il est là par la sèche. Et là, par là, on est très et moi, et le sultan. Je me souviens un jour, il a joué la guitare et chanté, son papa l'écoutait, et il me disait un mot magnifique. Emma, Emma, à toi, il m'a encanté, et quand on a un mot, arrête, tu m'as tellement imité, copié, ne me tue pas. Et quand on a un mot, ne mange pas. Parce qu'il l'a senti, il l'a vu, la définition dont il a donné, c'était ça. Je suis mon Dieu. Je le félicite. Il continue. Alors, bravo à Clément, bonne chance à lui. Je le vérifie, je le surveille, je le dis. Quand il me dit, papa, ça va, c'est que j'ai fait. Tu n'as pas trouvé autre chose, il n'y a pas de problème. Et d'ici, il y a des problèmes, tu me verras. Parce qu'il n'y a pas de problème. Donc, il vérifie ce langage. À chaque fois, il fait des compositions. Parce que là, l'œuvre est immortelle. L'œuvre a plus d'longévité que nous. Alors, bonne chance à Kémo. Au-delà du fait que Kémo Kanté soit un super artiste, un artiste très très talentueux et très respectueux, c'est aussi ma famille, parce que quiconque est lié à ma femme est directement lié à moi. Donc, ce qui fait aujourd'hui que je suis lié à la plupart des artistes aujourd'hui, par le biais du mariage, par le biais de ma femme, ça fait qu'aujourd'hui, la plupart des artistes que je voyais auparavant comme des collaborateurs, comme des amis artistes, sont aujourd'hui devenus des membres de ma famille. Quoi. Donc, Kémo Kanté, c'est une partie de ma famille, donc on est là aujourd'hui pour le soutenir. Le fait qu'on parle, qu'on est avec lui, ce qu'il est en train de faire, c'est un très très bon travail. Ce jeune, moi je l'aime bien, lui par son talent, par cette duplication de la voix de son papa. Je l'aime bien dans ce sens. Je crois bien, le plus souvent, c'est moi qui l'appelle pour lui féliciter, pour lui dire « Ouais, quelle chanson je l'aime bien, c'est ma meilleure chanson, je l'ai dit ça pour moi. » Et de là-bas, je crois bien que les aînés ont tout de suite l'a dit. Il faut se féliciter vraiment ceux qui méritent d'être félicités. Il faut accompagner ceux qui méritent d'être accompagnés. Il faut être avec les bonnes personnes, il faut être avec les talentueux. Moi, ce jeune, je crois bien, il est bourré de talent. Pour forger un album, c'est tout à fait un problème. Il y a un problème de financement, il y a un problème de timing. Des fois, je peux venir dans certains studios, c'est vraiment rempli. Et le programme est déjà chargé, tout ça pour rien. Nous, on passe à travers tout ça pour sortir de l'album. Surtout que quand tu veux bien chanter, et quand c'est pas avec la justesse, tu veux retourner au studio pour aller chanter justement. Donc, pour sortir de l'album aujourd'hui, il faut vraiment l'accompagnement de tout le peuple. Il ne faut pas que ce soit pas seulement qui vient. Il faut que c'est tout le peuple qui se vienne parce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui peut vraiment éclater le football ailleurs parce qu'il est vraiment juste quand il chante. Il y a de la justesse dans ses mots. I'm going to go to the hospital.